Téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA. Ce matin, en ce deuxième jour du 9e mois de l'année 2024, recevez nos salutations encore par la grâce de Dieu. Ce Dieu-là qui nous a conduit tout au long des 8 mois passés nous a permis d'avoir accès à ce nouveau mois. A encore le même pouvoir pour nous diriger jusqu'à la fin de nos derniers jours. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons partager son excellente parole avec vous. Et nous donnons à notre exhortation le thème de qui doit être le plus grand. Qui doit être le plus grand? Tiré de l'évangile selon Luc, et chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 24 au verset 29. Yo, dometo ka ye nye gato maha. Eye, ogbona o neo bena,
du corps fiao du après tant de oji eye amesi o po musa de oji la oyo wo bena am nouvela o ke miaola mi ganon nema o hafi bon amesi nye gato le mia domela nazu abesueto ene eye amesi nye amegala nazu abesubola ene elabena ameka nye gawu Amesi bobo no kplo unti lo, alo amesi le subo subo maha. Menye amesi bobo no kplo unti oa. Ke enye la, mele mia titi na abe subo la ene. Ke mia ola, mie doji no anyi plim le nye tete kpo ome. Eye nye la, mele fiadupe dom dinami. Abe alesi fofo nye ha due dinam ene. Amen. Luc chapitre 22, verset 24, verset 29, je lis. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table et moi? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré et avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé à ma faveur. Amen. Amen. Seigneur, toi qui es le plus grand, le plus puissant des puissants, et tu t'es humilié en te rendant serviteur. Et c'est pourquoi ton Père t'a sûrement élevé et t'a donné un grand nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchit et toute la confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, Seigneur, tu nous inculques ta pensée, tu nous impactes, afin que nous aussi, la grandeur auquel nous aspirons puisse nous aider à nous humilier, afin que toi, Seigneur, tu puisses nous propulser dans la société. Aide-nous à nous maîtriser. Et permet à ce que nous puissions nous laisser passer par le brisement. Afin que ton plan rédempteur dans notre vie se réalise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui doit être le plus grand? Une question, Biabia, issue d'une contestation. Oui, en effet, depuis les temps passés jusqu'à nos jours, Dieu s'est révélé comme un Dieu grand. Il est grand au-dessus de tout grand. Et il fait de nous ses enfants pour que nous soyons des grands. Est-ce que c'est à nous de chercher la grandeur? Ou bien c'est à Dieu de nous rendre grands? Ce sont ces questions que nous devons nous poser.
Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. Et nous voyons une discussion au sein de, des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela était une discussion. Cela était une contestation. Et personne ne pouvait accepter son procès. Et personne ne pouvait comprendre son procès. Et ils discutaient entre eux. Ils ne pourront pas trouver de solution. Pourquoi discutaient-ils entre eux? Parce qu'ils cherchaient la position. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui marche. Dans la chair, c'est le pouvoir qui marche. Dans la chair, c'est la grandeur qui marche. Mais Dieu ne nous voit pas comme nous, on se voit. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, il choisit les choses viles pour scandaliser les sages. Ici, suite à leur discussion, Jésus leur pose la question de savoir pourquoi vous discutez entre vous. Ils ont gardé le silence. Jésus est prescient. Il voyait tout auparavant. Il voyait là où ils discutaient. Et ses disciples se sont tus. Et Jésus maintenant les dit, les rois des nations les tyrannisent. Donc Jésus maintenant sort du lien apostolique et retourne dans le monde. Ce qui suppose que dans le monde, ceux qui aspirent à la grandeur, ils le font dans le but de maîtriser, de tyranniser, de tourmenter, de tenir l'image des autres. Et dans ce passage, nous parlerons de la grandeur selon Dieu et la grandeur selon l'homme. Donc ici, les disciples parlaient de la grandeur selon l'homme. Donc Jésus l'a dit, les rois des nations les tyrannisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Et Jésus l'a dit, ça c'est le monde, mais n'amenez pas ce qui est du monde en Christ. Et il signifie maintenant qu'il ne soit pas de la main, qu'il ne soit pas de main pour vous. Il a dit maintenant, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Donc Jésus maintenant signifie à ses disciples, si quelqu'un veut être grand parmi vous, que la personne se rabaisse, que la personne s'humilise, que la personne se soumette. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que lui-même, il s'est soumis, il s'est humilié. On a vu en lui l'humilité. Et nous avons vu cela aussi en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est arrivé à dire à ses disciples, moi je ne suis que le précurseur, moi je ne suis que l'avancier. Il m'a envoyé pour le frayer le chemin. Le frère Jésus, et derrière il arrive. Mais aujourd'hui, nous nous voulons occuper la position dans la chair et pour occuper la position, pour occuper la grandeur, pour avoir la grandeur selon l'homme, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à rabaisser les autres. Nous cherchons à envoyer les coups bas. Nous cherchons à creuser les fosses pour que les gens tombent. Nous cherchons à tyranniser celui qui est au sommet. Et je le vois, je cherche à le ramener en bas pour que moi je me lève.
c'est en ça que quelqu'un attribue le titre de crabologie. Il dit ça, c'est la crabologie. C'est-à-dire que les crabes, lorsqu'ils vivent ensemble, celui qui veut avancer, l'autre passe par tous les moyens pour chercher à monter au-dessus de lui et le ramener en arrière. Donc c'est d'où il a titré ceci à la crabologie. Je ne sais pas si c'est une expression française ou bien une expression fabriquée. Et en effet, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous disons, nous nous attribuons le titre de chrétien, nous attribuons le titre d'homme de Dieu, nous attribuons le titre d'oint, et nous marchons selon la chair, nous travaillons selon la chair, nous opérons dans la chair. Jésus est appelé un petit enfant. Elle dit, si quelqu'un veut être le plus grand, il se rabaisse jusqu'à l'insignifiance. Donc l'enfant est le symbole de l'insignifiance. L'enfant est le symbole de l'humilité. L'enfant est le symbole de la petitesse. L'enfant est le symbole de pardon. Pourquoi? Tu peux frapper ton enfant. Il va pleurer. Mais quand tu l'appelles, viens. Il revient encore. Il t'a pardonné. Mais nous n'avons pas ce sentiment. Paul pouvait dire aux Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments que Christ Jésus avait en lui. Quels sont les sentiments qui nous animent? Quels sont les sentiments qui sont en nous? Quelles sont les attitudes que nous partageons? Est-ce que ce sont les sentiments de Christ? Ce sont les sentiments, c'est la vie de Christ qui est en nous. Et nous sommes à la cause du pouvoir. Jésus est appelé un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. Il plaça ce petit enfant au milieu d'eux. Oh mon frère! Oh ma soeur! Pourquoi cherches-tu la grandeur jusqu'à la fin de ta vie? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, cela se fait dans le monde. Et nous imitons le monde. Pourquoi veux-tu tuer ton prochain? Pourquoi rentres-tu dans le domaine de sorcellerie? Pourquoi rentres-tu dans le domaine de mensonge? Pourquoi sors-tu du cadre chrétien pour chercher la position? Ne sors pas du cadre chrétien. Jamais, jamais. Ne sors pas. On ne retrouve rien dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Naomi a cherché la grandeur financière. Elle est sortie de Bethel. Elle est sortie de Bethlehem. Elle est allée à Moab. Là, elle a tout perdu. Celui qui cherche la grandeur selon la chair finit par tout perdre. Jésus l'a dit. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou bien celui qui sert? Aujourd'hui, nous nous servons de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Il y a une différence entre se servir de Dieu. Se servir de Dieu, c'est chercher à jouir de tous les privilèges de Dieu et de s'élever au-dessus de toutes choses. Maintenant, servir Dieu, c'est se soumettre, c'est s'humilier, c'est l'adorer, c'est faire de lui ton maître, celui qui dirige ta vie. Et si cela n'est le cas, il va falloir que nous puissions avoir les regards de Christ. Qu'est-ce que Christ veut de nous? Nous devons chercher la volonté de Christ. La grandeur selon l'homme est dirigée par le train de ce monde. Le prince des ténèbres, c'est Lucifer qui a prononcé les cinq pronoms personnels.
Un cherche la grandeur. Il dit, je me lèverai. Je m'assierai au-dessus des étoiles, monsieur. Alléluia. Amen. Donc, il a prononcé les sept propos personnels. Il dit, je ferai ma demeure. Et c'est là où Dieu l'a combattu. Il a propulsé. Il a jeté par terre. Et c'est là où il est tombé à terre. Lors de la tour de Babel. Le Babel ils se concertèrent. Ils ont commencé. Ils avaient les mêmes pensées. Les mêmes idées. Le même projet. Ils construisaient la tour. Pour s'élever au-dessus de Dieu. Immédiatement. Dieu a agi. Il dit descendons. Et là, confondons le langage. Ceux-là qui veulent s'élever au-dessus de tout. Qui fait la grandeur sera rabaissé. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Dieu dit. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus continue à dire dans Matthieu 18, verset 3. Et dit je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut te rabaisser. Il faut t'humilier. Il faut te convertir. Il faut te repentir. Il faut revenir à l'étape d'enfant. À l'étape d'enfance. Si tu reviens, si nous revenons à l'étape d'enfance, selon Jésus, nous aurons accès au royaume de Dieu. Il dit dans verset 4. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Quand Jésus reviendra, il ne demandera pas qui est le plus grand, qui est le chef secteur, qui est le président régional, qui est le président national, qui est le grand évangéliste. Jamais nous tous nous serons dépouillés de nos prérogatives, de notre grandeur. Et nous serons les mêmes devant Christ. Et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour quelqu'un. C'est pourquoi ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent et chercher la grandeur selon la chair. Maintenant, la grandeur selon Dieu, c'est la petitesse. C'est pourquoi quand Saül se manifestait, agissait et manifestait sa grandeur en persécutant les chrétiens, tout le monde avait peur de lui. Parce que selon la chair, il est grand, il est fort. Mais Jésus a voulu nous prouver que je suis plus grand que toi. Quand Jésus l'a rencontré, il le frappa. Et au même moment, une lumière resplendissante se dégagea du ciel et le frappa. Et il devait aveugle. Et dans cet état d'aveuglement, il a fini par reconnaître que Jésus est roi. Jésus a dit sors, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dit de régimer contre les aiguillons. Et c'est là il pose la question, qui es-tu Seigneur? Il a reconnu un plus grand que lui. Il a reconnu la seigneurie du Seigneur parce qu'il s'est vu à terre. Et Jésus l'a dit, moi, je sais que tu es petit. Et tu reconnais aujourd'hui que tu es petit. Et maintenant tu n'es plus Saul. Et tu deviens Paul. Paul signifie petit. Vis-tu qui? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu cherches? La grandeur selon Dieu est dirigée par l'Esprit. Si tu veux être grand, sois dirigé par le Saint-Esprit. Sois revêtu de
du fruit de l'esprit. Jean a dit de Jésus qu'il croisse et que moi je diminue. Bien-aimé dans le Seigneur, que cherches-tu aujourd'hui? Et qui es-tu pour chercher ce que tu veux? Est-ce que tu as la place de Christ? Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, chapitre 2, verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de passé ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, chercher la grandeur selon la chair, c'est manifester l'égoïsme. C'est chercher ses intérêts personnels et égoïstes. Et cela nous conduit à l'échec. Paul dit, ne faites rien par esprit de parti. Et parce que nous cherchons la grandeur, nous faisons tout par esprit de parti. Ou par de vers gloire. Alors bien-aimé dans le Seigneur, Paul continue à dire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse voir les autres. Aujourd'hui, l'orgueil nous fait voir les autres comme plus petits que nous. Et quand quelqu'un veut exceller, on se pose la question de savoir d'où vient-il, quand est-ce qu'il a commencé, quel diplôme il a eu, quelle formation il a fait. Jésus ne voit pas la formation. Il est bien, nous devons nous faire former. Nous devons développer notre connaissance. Oui, mais il ne faut pas fonder notre vie en cherchant la position par nos moyens intellectuels, par nos moyens charnels, non. Revenons à l'esprit. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. Si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, alors l'humilité viendra. L'humilité, c'est un acte. Et nous devons le prouver. L'humilité, c'est se rabaisser. À l'état où nous sommes aujourd'hui, nous devons nous faire passer par le brisement. Et si nous ne passons par le brisement, la transformation interne doit être à l'ordre du jour. Et si la transformation interne, les gens verront que nous allons respecter l'éthique ministérielle. Aujourd'hui, à cause de la grandeur, l'amour est banni. À cause de la grandeur, l'acceptation mutuelle est bannie. À cause de la grandeur, le support mutuel est banni. À cause de la grandeur, nous voulons nous propulser nous-mêmes. Alors que David déclare, la grandeur vient de Dieu. Car Dieu est grand. Et celui qui fait de nous des grands. Et bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus dit, oui, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc il signifie aux apôtres, vous avez persévéré avec moi, vous avez souffert avec moi, vous avez partagé mes sensations. Et c'est pourquoi je dois disposer le royaume à votre faveur, comme mon père a disposé
disposer son royaume à ma faveur. Donc pour avoir accès au royaume, l'humilité est le principe directeur. L'intégrité est le principe directeur. La vie d'éthique doit être à l'origine de notre vie. Et nous devons avoir les pensées de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi ce que lui-même voulait. Et dans le Nouveau Testament aussi, Jésus a choisi les apôtres. C'est pas qu'à ce moment il n'y avait pas de grands. C'est pas qu'à ce moment il n'y avait pas d'intellectuels. Il y avait des intellectuels. Il y avait des sages. Il y avait de grands théologiens. Il y avait de grands docteurs de la loi. Mais tous les disciples que Jésus a choisis, la majorité étaient des analphabètes. Mais ceux-là qui ont marché avec lui. Mais c'est après la mort de Jésus, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que la puissance s'est manifestée. Et personne n'avait plus choisi Pierre. Parce que Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit. Je te donne les clés du royaume des cieux. La grandeur se donne par Dieu. La grandeur est pourvue par Dieu. La grandeur est établie de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu sois grumeau de sel, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Si Dieu veut que toi tu sois un président national aujourd'hui, ça proviendra de lui. Tu sauras comment faire tous ceux qui ont excellé en tant que président national des églises. Ils ont pu diriger l'église. Ils ont pu travailler. C'est parce qu'ils viennent de Dieu. Et si le temps de leur succession est arrivé, c'est à Dieu même de le pouvoir. Et c'est ce qu'ils continuent pas à faire. Et pour y parvenir, nous devons nous déconnecter du monde et nous connecter à Dieu. Et si nous sommes connectés à Dieu, il fera de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi un cantique dit: Jean-Nous Sinélo, Jean-Nous Sinélo, Papa,
que tu sois président de la République, tu le seras. Si Dieu veut que tu sois un fonctionnaire international, il le fera. Si Dieu veut que tu sois un roi, il le fera. Ah ouais. C'est lui qui a choisi David. David. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, brise-moi. Bam. Je veux me faire passer par le brisement. Brise mon cœur. Change mon cœur. Change mes pensées. Donne-moi le pouvoir. D'avoir les sentiments que toi, Christ, tu avais. Afin de me rabaisser. Afin de me soumettre. Afin de m'humilier. Au nom de Jésus. Père. Ce matin, je veux me faire passer par le brisement. Brise ma vie, dégâte ma vie là, Seigneur, remoule ma vie, mes sentiments préférés, mes sentiments qui viennent de moi-même, mes sentiments qui viennent de la chair, mes sentiments diaboliques, mon zèle amer, arrache-le de moi, arrache-le de moi, mon cœur de pierre, Seigneur, ma colère, ma haine, tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas ton nom, arrache-les, balaye-les de ma vie, balaye-les de ma vie, au nom de Jésus, Seigneur, agis à ma faveur, agis, Seigneur, me voici devant le trône de grâce, je suis revenu à toi. Seigneur, j'ai toujours manifesté ma grandeur. J'ai toujours proclamé ma grandeur. Mais Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que je me suis humilié? Seigneur, donne-moi la capacité de me rendre humble. Je suis très orgueilleux. Seigneur, arrache de moi l'orgueil. L'orgueil qui est moi. L'orgueil qui me voit supérieur. Au-dessus de tout ça, s'il te plaît, Seigneur, viens m'aider, marche avec moi. Seigneur, interviens ma faveur. Interviens ma faveur. Je veux un cœur converti. Je veux un cœur répandu. Oh Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, si toi tu as pu supporter les mépris, les persécutions, les rejets, Seigneur, jusqu'à ce que ton père ne te relève. Seigneur, je veux que tu m'aides. Donne-moi cette possibilité. Donne-moi cette capacité nécessaire de voir marcher comme tu as marché. Voir comme tu vois. Exceller comme tu excelles. Je veux que ma vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, fais de moi ce que tu veux. Remoule-moi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle forme. Ma vie est sans forme. Tout est vide. Que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Au nom de Jésus. Ne no no me na no abe
suis dans tes mains. Comme l'arcide dans les mains de potier. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la force que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. La forme que toi tu veux. Ce que tu veux faire de moi. Seigneur, brise-moi et remoule-moi. Seigneur, recompose ma vie. Recompose ma vie. Fonde ma vie sur toi. Équipe ma vie. Équipe ma vie. Réveille-moi de ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux rien faire. Je voudrais m'attacher à toi. Je voudrais m'approcher de toi. Je suis devant le trône de grâce. Seigneur, je ne veux pas être confus. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore. Nous allons dire au Seigneur de nous donner la capacité de pouvoir vaincre la chair. La chair nous impose ce que nous ne voulons pas. La chair nous conduit à la dérive. C'est la chair qui nous permet de voir les autres comme étant au-dessous de nous. Nous allons prier. Au nom de Jésus, Seigneur, la chair n'a pas le pouvoir sur moi. Priez. La chair ne doit pas avoir le pouvoir sur moi. Mais au contraire, ton esprit. Je veux, Seigneur, vaincre la chair. Je veux dominer la chair. Je veux crucifier la chair. Je veux que la chair soit détruite, soit rabaissée. Et que l'esprit de Dieu puisse être au-dessus. Que l'Esprit de Dieu seul me parle, qu'il me conduise, qu'il m'oriente, qu'il me donne une belle voie. Au nom de Jésus, qu'il me donne des visions célestes, qu'il vienne de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, tu nous as signifié la personne qui doit être grande dans le royaume de Dieu. Et cette personne doit avoir certaines qualifications. Et l'une de ces qualifications était la conversion de son cœur. Deux de ces qualifications est l'humilité. Seigneur, oui, c'est pourquoi tu as présenté cet enfant au milieu d'eux. Donne-nous la possibilité nécessaire. Accorde-nous la capacité de pouvoir nous ramener à l'étape d'enfance. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Jean-Baptiste n'a pas dit je suis né avant Jésus. Dans la chair, les gens peuvent dire qu'il est né avant Jésus. Lui-même, s'il n'était pas spirituel, il devait s'enorgueillir. Mais Jésus est là avant la fondation du monde. Et qu'il a pris la forme humaine. Mais il a fallu que Jean-Baptiste, dans son humilité, puisse signifier à ses disciples que celui-là est le frère. C'est lui le sauveur. Moi, je suis venu pour vous baptiser d'eau et de la repentance. Mais lui qui vient,
Je suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui vous baptisera du feu et d'esprit. Et qu'il croise comme moi je diminue. Oh Seigneur, quels sont les ses sentiments? Nous voulons les avoir en nous. Donne la capacité, Seigneur, de nous humilier, de ne pas chercher à nous placer au-dessus des autres. Mais au contraire, que nous puissions nous laisser afin que toi-même tu puisses nous propulser dans la société d'une manière graduelle, d'une manière graduelle, d'une manière échelonnée. Car toi, tu sais comment marcher avec certains et tu sais comment courir avec d'autres. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, guéris tous ceux qui sont malades, guéris les cœurs brisés, guéris ceux qui sont marginalisés. Ramène-les, Seigneur, à cause de la course au pouvoir. Les gens ont marginalisé les autres. Les gens ont détruit les autres. Les gens ont tué les autres. Mais Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ceux qui sont blessés, passe leur cœur, guéris-les. Ceux qui sont malades, guéris-les de toute infirmité. Au nom de Jésus, ceux qui sont sans emploi, accorde-les la gloire dans la société. Ceux qui sont sans mari, sans femme, accorde-les leur compte. Ceux qui sont dans une situation irrégulière, Seigneur, accorde-les une bonne situation. Rétablis-les, Seigneur, dans leurs droits légaux. Repositionne-les. Ceux qui parlent la chair ont été renvoyés, ont été rabaissés. Seigneur, revois sur le niveau et donne-nous la pensée que tu as. Donne-nous d'avoir les sentiments que tu as. Donne-moi de voir comme toi tu vois, de comprendre que tu comme tu comprends, afin que l'humilité en nous nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous, pour que nous ne brandissons pas notre veto de grandeur, mais au contraire, brandir toi ton veto de supériorité, de grandeur, de vainqueur, afin que nous puissions nous attacher à toi pour une bonne marche chrétienne. Donne-nous de respecter l'éthique ministérielle, l'éthique chrétienne, afin que les gens voient toi seulement en nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La belle.